Nous dit tout le monde bonsoir, puis une information nous va gagner pour nous développer pour après-midi à dans journal ça actualité mondiale là, c'est ancien président américain Donald Trump qui domine elle. Pendant toute journée jeudi, il quitte le tribunal Manhattan déjà direction la Guardia côté avion personnel li a tenu pour décoller pour aller la Cali Mar-a-Lago, li plaide non coupable concernant chef accusation. Selon les médias américains, puisque 34 chefs d'accusation, la justice américaine kembe contre lui. Mais il n'y a pas de quitter les médias qui ont accès dans le moment où il a décliné nom, adresse, profession et tout. Il n'y a pas de mettre menottes pour lui, d'après l'arrangement qui a été avec avocat, gens que tu appelles pour simple citoyen. C'est une journée historique, c'est pour la première fois qu'un ancien président américain a décliné nom, adresse. Et bail la justice parce que li inculpé au pénal dans un dossier alors que Trump a plein l'autre dossier encore qui a obtenu pendant déjà candidat pour poste président pour un deuxième mandat. La Caipanou, c'est dossier l'église épiscopale là qui rebondit avec bureau affaires financières et économiques BAF qui fait partie de direction centrale police judiciaire de CPJ. Dans le rapport li soti, li fè konnen, l'église là t'est impliqué depuis longtemps dans question trafic zam, particulièrement Père Franz Kol et qui secrétaire l'église épiscopale pays d'Haïti CEH qui gen liaison direct yo rive établi ak village de Dieu et ensemble avec l'autre gang krasé barrière nan vann zam ak munition bay bandi et côté tout yo rive joine et Père Franz Kol la charge ak l'argent. Li plein compte yon la dan yo gen 1 million dollars li gen compte en Haïti tan kou nan pays étranger chargé ak bien nan pays d'Haïti particulièrement nan capitale la gen plusieurs kay et en plus de ça li tap touché 300 000 goud et nan parlement haïtien. L'autre point nan actualité a nou nan semaine sainte nous supposé té nan période la pluie mais nou la pluie a pas ka tombé gen pile difficulté nan période ça. Ça y est, les saisons printemps pour paysans presque perdus. Est-ce que c'est changement climatique là qui a frappé comme ça ou bien est-ce que Haïti a une responsabilité par la façon de gérer de l'eau, façon de gérer forêt et la trier? Directeur général, direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, dans l'interview de Libye Radio Kiskeya, parlait de gens qui a fait face à sécheresse, ça qui n'est pas normal, pays d'Haïti à vivre. Il dit pratiquement c'est un problème qui observé tout partout sur la planète là qui affecte particulièrement un pays tant que Haïti qui lui-même et il a plusieurs autres dossiers pour gérer parce que le fait qu'on est pour dîner pas fait travail il gain pour affronter bandio qui empêchait technicien dîner pas capable river et de côté pour yo capter de l'eau pour bailler population de l'eau. Pour lui-même, c'est un travail héroïque qui a fait chaque fois arriver développer des stratégies pour qu'arriver dans série de côté. En pile fois, c'est vie qui mettait en danger. D'après ça, ingénieur Edouard précisé dans interview ça par Radio Kiskeya sous phénomène et sécheresse là avec problème de l'eau en Haïti. L'autre point gagné agent exécutif intérimaire dans tête commune Gonaïve Donald Diogène qui dit qu'il n'y a pas aucune responsabilité dans ce qui concerne le bureau direction générale impôt DGI et côté le trouver là et contribuable il y a difficulté pour capable joindre service c'est à cause bureau immigration établi la donne d'après ça il dénoncé malgré toute démarche il fait ça pas bail aucun résultat pour déplacer bureau ça nous connaît qui chargé ak moun cap chercher pour yo faire passeport. L'autre point dans actualité alors dans même dossier nous te parlo là et dossier de l'église épiscopale là n'a gagné maître Izwik Théophane un avocat qui a défendu secrétaire conseil Lord avocat Bao Patou Précieux qui c'est maître Robinson Pierre-Luc fermé en prison dans dossier fois ça toujours zam mais c'est bateau zam et ak munition port de paix Miss Lily li dénoncé lenteur juge d'instruction Walter Wesser Voltaire pour rendre ordonnance li dans dossier ça. Et puis nous pas de gétan hier parce que de débordé ak journée 3 avril là nous connaît qui c'est journée été assassiné Jean-Dominique mais tout est journée nationale femme bien que ça fait quelques temps pas célébrer mais tout d'un coup on la trier de organisation gien connaît gien pas connaît du tout qui paraît sous scène là pour te marquer journée ça en pile fois des cérémonies officielles.
côté gouvernement te présent là-dedans yo premier ministre bien sûr et madame Dominique Dupuis qui c'est ambassadrice déléguée permanent Haïti dans UNESCO a parlé nous de candidature Haïti après et sous jour moi quoi elle est là pour Cassavlan pour ta vini et Cassav Haïtien un patrimoine culturel immatériel l'humanité qui c'est un titre prestigieux mais est-ce que Haïti compte ça pour le faire avec genre de titre ça yo là n'a regardé pour nous une année après Haïti te prend coquen chaîne gloire ça pour soupe indépendance non il pas fait rien avec l'autre gros point dans actualité internationale la taliban yo interdit afghan yo quelque soit côté yé dans pays pour pas travailler pour organisation mondiale là Nations Unies tout partout dans pays là et puis concernant la guerre et en Europe la Russie a fait dans pays Ukraine des gros conséquences il y a plusieurs conséquences une là d'ailleurs c'est dépenses militaires qui explosé dans toute l'Europe là et jodi a organisation traité Atlantique Nord l'OTAN accueilli un 31e membre qui a revoir avec la guerre ça justement jusqu'à présent tenon neutralité et qui gagne frontière direct avec pays la Russie n'a parlé de Finlande devant situation ça la Russie dit la préparer pour le conseil de mesure pour faire face avec voisin ça qui vient représenter un problème pour lui puisque il représente l'OTAN et il gagne frontière direct avec elle et puis pour qui ça États-Unis veulent coûte que coûte et pour statut la Chine se fait partie de pays développés et pas statut pays sous-développé genre la Chine jusqu'à présent servi avec elle et jodi a fait 55 ans depuis été assassiné pasteur Martin Luther King dans pays États-Unis c'était dans Memphis dans